que chacune de vos directions générales et dans chacun des départements ministériels. La réforme de l'État qui nous concerne s'entend la réforme de l'administration centrale également. Elle doit viser prioritairement l'amélioration des services offerts et doit se faire par le rapprochement des services aux administrés. À cette fin, il est nécessaire et indispensable de disposer dans les meilleurs délais d'une administration moderne, efficace, crédible, impartiale, au service de tous les citoyens et de l'intérêt général, capable de gagner la confiance de la population, de préserver l'état de droit et de relever les nombreux défis liés au développement socio-économique et local. C'est pourquoi nous devons travailler rapidement au renforcement des institutions publiques en mettant en place en toute urgence, comme le veut l'article 63 du décret 17-2005, portant organisation de l'administration de l'État, les unités d'études et de programmation, UEP, qui représentent des outils indispensables à la formulation, à l'accompagnement et à l'évaluation des politiques publiques. Les attentes de la population sont grandes. Il faut donc agir, ne serait-ce que pour leur permettre d'accéder à leurs droits les plus élémentaires. Excellences, Monsieur le Premier ministre, vous avez devant vous les regards de l'administration centrale qui sont en charge d'une double responsabilité, à la fois stratégique et opérationnelle. D'une part, il contribue à l'élaboration de la politique sectorielle du ministère et prépare, sous l'autorité du ministre, le programme d'activité ainsi que le budget du ministère. Et d'autre part, il assure toujours, sous l'autorité du ministre, l'organisation, la direction, la coordination, le contrôle et la supervision du ministère. Par ailleurs, veille, entre autres, à l'application de la loi organique du ministère et à l'exécution des instructions du ministre. Dans ce cadre, la responsabilité de la mise en œuvre des nombreuses mesures et actions prévues dans le plan d'action du gouvernement incombe aux directeurs généraux. L'aide ainsi, notamment, la réforme des institutions de l'administration sociale de l'État, la déconcentration des services publics, la décentralisation des mesures et normes de gestion relatives à la modernisation et à la réduction des coûts d'exploitation des services publics et de l'élaboration des manuels de procédure relatifs au fonctionnement des institutions publiques. Aussi, la fonction publique qui est le socle sur lequel repose le fonctionnement de l'administration centrale de l'État, devra bénéficier de l'expertise et de l'autorité des directeurs généraux en accompagnant le travail des organes de coordination de la nature, qui sont en contrôle de l'ONRH, l'Office de management et des ressources humaines, le CDES et les autres organes. La nouvelle politique de recrutement de fonctionnaires et d'agents publics, ça c'est surtout le rôle de l'ONRH. L'organisation du déroulement de leur carrière, leur gestion, leur système de rémunération, la création de fichiers centrales, la formation de l'école nationale de l'administration et des politiques publiques. Donc on ne peut pas avoir une bonne organisation centrale de l'État sans des fonctionnaires avec une grande formation et une grande compétence. C'est pourquoi je vous demande, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les directeurs généraux,
accueillir le procureur général de l'ONRH, M. Léon Van, qui aura besoin de votre soutien pour pouvoir implémenter la réforme de la fonction publique. Très content que vous avez une contrainte à ce que vous avez fait tout couvrir. Nous tous là, on travaille dans des conditions, vous considérez que vous êtes des héros. Parce que les conditions de travail ne sont pas jamais taillées. Les conditions de travail, le Premier ministre, ne sont pas jamais taillées. Mais l'objectif, ou du moins, la population qui a travaillé pour lui, l'objectif est tellement noble que les conditions supposé vivre dans le deuxième. C'est performance, c'est ça qui travaille, ça nous gagne, c'est ça qui est important. Pendant que nous-mêmes, nous travaillons, nous réfléchissons pour améliorer les conditions globales de travail. Après le même terme, l'administration publique a essentiellement beaucoup. Nous travaillons aujourd'hui pour nous faire la capacité du gouvernement. Pour le gouvernement, il y a un moyen. Mais tout faut être volontaire. Et volontaire, c'est nous-mêmes, c'est nous, c'est nous-mêmes, c'est le président, moyen tout n'a pas à venir. D'appeler au combat pour que moyen, pour réussir des moyens, il faut que Haïti, il faut que l'État, il faut que le gouvernement capable d'avoir des moyens propres. Le Vietnam a perdu des millions de dollars sous frontière à cause de mauvaises décisions des comités dans le passé, à cause de manque de volonté, ou bien tout, avec conformité à un système passé, un système qui n'a pas de problème, que maintenant que nous décapitalisons complètement, de l'autre côté, nous avons été soulevés. Je vous dis à gouvernement ça, nous voulons changer le donne ça. Nous voulons que le droit a marché. Nous voulons que le DGIA a marché. Nous voulons que la corruption a baissé. Nous voulons que la santé a fait l'hôpital. A pas un service. Nous voulons que l'État a marché. Tout couvrir. Nous voulons faire plus à l'aéroport. Nous voulons manger bon. Nous voulons faire promotion future. Or, nous voulons que affirmer l'autorité de l'État. Nous voulons que la police soit à part de sécurité. Nous ne voulons pas d'excuses encore. Nous voulons que le travail soit fait. Avec moyen que nous avons aujourd'hui, dans le travail, pour nous plus moyen. Et pour nous plus moyen, il faut une volonté pour prendre des décisions qui ont intérêt du peuple haïtien et Haïti en général. Donc, demandez-nous. Alors, ça a passé de là, c'est la plupart des résultats de l'avion. On a la poste par exemple. Vous voulez les résultats de tous côtés. Parce que ces résultats de chaque côté amènent un vrai changement pour les gagner. Répondez-vous. Ma marche à vous. Mais vous voulez que nous connaissons tout. Que nous faisons un petit effort pour que les naturels aient un rôle. Nous sommes prêts. Nous avons travaillé pour couper, nous avons travaillé pour le labo et nous avons travaillé tout. Pour que demain, si nous sommes capables de pays qui est le pays, que nous sommes fiers de pays, pour que nous, étrangers, nous avons appris, impressionnés par sa vie pour nos fruits de culture, de artisanat, de passé. C'est ça que nous voulons. Nous voulons que Haïti soit un pays qui est fidèle, qui respecte les peuples et qui brûle. Une future en main. En nous déraper, nous comptons sur nous, des forums assez durs, dans plusieurs forums que nous avons organisés. Remercie de vous.
déplacement et bien sûr que mon agenda très ambitieux pour nous-mêmes, mais définitivement, n'appréciez-vous, comptez sur nous et faites haïtien, comptez sur nous.